Si je gagne beaucoup, beaucoup, une grosse somme, l'argent il va en Suisse, et puis je m'achète une maison au Brésil, et puis je fais partager avec mes proches. Je ne donnerai pas aux ONG parce que je me méfie aussi des combines. Je veux savoir où l'argent va. Je monte un théâtre au Sénégal, au Brésil, des cours gratuits pour les gens de la région, la scolarité, l'éducation, tout, des choses importantes. Mais je ferai fructifier l'argent. C'est-à-dire que j'ouvrirai une boîte ou l'autre, un truc. Il faut lire le livre « Le secret » de Randy Burns, je crois, une américaine. Pour se garer ici à Namur, c'est le problème. Avant, je me disais « j'espère, je vais avoir une place, j'espère ». Ça ne marchait pas. J'ai une place, je suis sur l'autoroute. Ah, j'ai ma place, je la voyais devant chez moi. Toujours une place. C'est des petits trucs, c'est pas de la magie, c'est pas les esprits, c'est une façon de voir les choses, d'attirer, c'est les lois de l'attraction. L'univers s'est constitué en loi d'attraction. La planète, tout, c'est grâce aux attractions. Et la pensée, c'est pareil. Les événements, on les fabrique autour de soi-même. J'ai toujours fait ça. Malheureusement, je ne l'ai pas fait pour autant de millions, mais je peux. Mais le fait d'avoir peut-être pris le loto, pourquoi pas, eh ben, elle devrait se dire « j'ai 1 million de dollars ». Dans sa vie, il se passera quelque chose qui fera que l'argent sera là.